Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo mes fournitures scolaires. Donc c'est parti. Donc déjà en tout premier on va commencer par le plus simple au monde. Donc le cartable. Donc mon sac, c'est un sac e-spack comme ceci. Donc c'est un e-spack que je récupère depuis le CM1. Le CM1 je l'ai acheté à Intersport. Donc voilà. Donc il a coûté quand même assez cher, vraiment les sacs e-spack ça coûte une blinde. Et ça coûte cher, très très cher. Du coup voilà, on va pas racheter un sac e-spack tout le temps, hein, toutes les années, tous les ans. Mais celui-là il me convient largement, j'ai pas besoin d'en acheter un autre. Après, on va passer à la trousse. Donc ma trousse c'est une trousse Oxbow. Je crois que ça se prononce comme ça. Et c'était à ma sœur pour la 5e. Et elle la voulait pas pour son année 4e. Du coup, moi, je la voulais pour la 6e. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, dedans, il y a un bâton de colle. Esquisse. Une gomme. Un ciseau bleu. Un compas toujours bleu. Donc, il est ma pad. Enfin, ma pad. Un taille crayon globe. Donc, ça, j'ai jamais testé. Voilà, alors moi je voulais un autre, mais celui-là c'était le moins cher. Des tailles crayons de marque. Sinon c'était pas une bonne marque. Après j'ai une règle de 15 cm France. Après j'ai 5 fluos. Donc les 5 couleurs les plus basiques des fluos. Donc c'est les Big Markings. Donc ça je récupère du CM2. Et en fait ils sont pas finis. Donc du coup bah je les reprends, voilà, c'est les anti-dérapants. Enfin, apparemment, c'est les anti-dérapants. Donc j'ai un vert, un bleu, un jaune, un rose, un orange. Voilà, et la pointe, elle me convient parfaitement. Le format, il rentre très bien dans ma trousse, donc je vois pas pourquoi en racheter. Après, alors pour la plastique, il demandait un crayon HB, le numéro 2. Et en fait, j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris... que un HB tout simple, mais je pense que ça ira pas. Enfin, je pense que ça ira parce que c'est un crayon. Après, j'ai un blanco. Donc, il y en a qui disent blanco, il y en a qui disent Tipex, mais moi je dis Tipex vraiment. Même si c'est pas de la marque Tipex, donc c'est de la marque Stanger. Je sais pas comment ça se prononce. Après, en stylo, j'ai 4 stylos. Donc, j'ai un noir, un rouge, un vert, un bleu. Et en fait, en vert, il m'en restait un seul. Donc en friction, il est toujours pas fini. Il est pas vide, donc j'aimerais bien le terminer. Du coup, bah, j'ai pris un vert au cas où. Voilà. Après, c'est fini. Il reste plus que le critérium que je vais customiser demain. Demain ou ce week-end, je sais pas. Mais un jour, avant la rentrée, il faudrait que je le customise parce que, voilà. Il est tout blanc, il est tout uni. Mais moi, j'aime bien quand il est décoré. Au départ, je voulais racheter des critériums, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà pour ma trousse. Après, j'ai une deuxième trousse. Donc c'est une trousse à deux compartiments que je récupère du CM1. Donc toutes mes fournitures, j'ai fait à bureau. Je vais pas dire où tout j'ai acheté parce que ça fait longtemps quand même. Donc en premier, j'ai ma calculatrice. Donc la Texas Instruments, j'en peux me reculer. Donc la Texas Instruments, c'est la base du collège. Alors c'est soit Texas Instruments, soit FX92. Mais mon collège, ils m'ont demandé la TI Collège Plus scolaire. Donc voilà, même si ma sœur, elle a pas la même que moi. Ensuite, j'ai 12 crayons de couleur. Donc j'ai tous les bics et un mappel. Voilà. Et voilà, donc dans ma trousse avec les crayons de couleur, il y aura ma calculatrice, comme ça je sais où elle est. Ensuite, en feutre, il demandait des feutres à pente moyenne, donc 12. Donc du coup, j'en ai racheté parce qu'il me manquait des couleurs, j'en avais 10, je crois que j'en avais 11. Et en fait, le gris, c'est vraiment la base des feutres. Du coup, j'avais pas envie de demander. Donc, c'est les Big Kids. Cool. Les Big Kids. Là, c'est les tout simples. Voilà. Et désolé pour le bruit. Oula.
Alors, voilà pour ma trousse. Après cette année, j'ai racheté une règle de 30 cm, donc bleu m'appelle, parce que l'année dernière, j'avais celle-là. Et je voulais pas aller au collège avec ça, j'ai préféré en racheter une. Mais ça, normalement, c'est incassable, mais je vais quand même faire attention parce qu'il y en a, ils les cassent. Donc, je préfère pas la casser. Donc, voilà. Après, j'ai mon petit cahier de brouillon en 96 pages rose. Donc, il n'y a pas besoin. Alors, moi, en fait, j'ai une technique en fait, pour les cahiers de brouillon. C'est qu'au lieu que j'écris au stylo, j'écris en crayon papier comme ça. Quand j'ai plus du tout de place, quand il me reste 3-4 pages, quand je rentre du collège, je prends ma gomme et hop, je gomme tout ce qui est fait au crayon noir. Ça permet d'économiser. Après, il fallait un porte-vue. Un porte-vue 60 vues pour documents liaison. Donc, du coup, je l'ai pris en deux. Ce qu'il y a de plus simple. Après, j'ai une pochette. Voilà, donc c'est ma pochette. Alors, dedans, il y a des copies doubles grands carreaux. Donc, il y en a 10 feuilles. Voilà, il y a toutes les feuilles. Après, j'ai mon agenda. Alors, mon agenda, c'est un agenda pour les étudiants. Donc, c'est de la marque étudiant. C'est l'original étudiant. Oui, je sais, c'est pas de mon âge, mais là, je voulais me faire plaisir. Et voilà, donc il est tout simple, hein, tout uni. Voilà, donc il est grand. Voilà, vu que des fois, quand je suis pressée, j'écris gros, voilà. Donc j'avais besoin d'un gros classeur. Alors ça, on va mettre par terre, voilà. Donc après, on va passer à tout ce qui est matière. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour le français, il fallait deux cahiers jaunes. Donc, normalement, les cahiers, c'est tout 21x29,7. N'hésitez en rupture de stock de 21x29,7, 96 pages. J'avais que 192 pages. Du coup, j'ai pris deux jaunes. C'est de la marque L'Oréal. Hein. Tout le monde connaît normalement. Donc, tous les cahiers, c'est grand carreau. Pour les maths, il y a un peu plus de choses. Donc, pour les maths, il fallait un petit cahier. Voilà, 96 pages. Deux grands cahiers. Donc, c'est rouge. Donc, ils n'ont pas demandé la couleur, mais moi, j'ai pris du rouge. Après, j'ai une pochette avec du papier millimétré et du papier calque. Et en fait, dedans, j'ai mis mon équerre et mon rapporteur. Donc, j'ai pas acheté, hein, je récupère des autres années. Heureusement. Hop, voilà ce qu'il faut pour les maths. Donc, il fallait du papier millimétré. Hein. Donc, désolée si des fois je me lève parce qu'en fait, mon organisation, je ferai dans une autre vidéo et en fait, c'est un peu loin. Alors, après, pour l'anglais. Alors, pour l'anglais, il fallait deux cahiers petit format. Et en fait, sans faire exprès, j'avais pris des 24x32. Du coup, je suis allée à Leclerc et j'ai trouvé les deux cahiers Claire Fontaine. Donc, les cover books. Tout le monde connaît, j'espère. Après, pour l'histoire géo. J'arrive pas à attraper. Donc, pour l'histoire géo, il fallait deux cahiers bleus. Enfin, il fallait deux cahiers, hein. Voilà, grand format. Et moi, j'ai pris en bleu foncé. Après, alors, pour l'art plastique. Il faut que j'arrive déjà. Alors, pour l'art plastique, il fallait une pochette. Voilà, une pochette normale. Donc, ils n'ont pas dit les pochettes, les feuilles à dessin. Voilà. Après, il fallait un porte-vue 30 pages plastifiées, donc en gros 60 vues. J'ai pris un vert. Après, alors ça, je récupère de l'année dernière. Dedans, il y a plein de feuilles couleurs. Voilà, il y a plein de couleurs et il n'y a que 3 feuilles à canson blanc. Donc, j'arrive plus à parler. Donc, en fait, sans faire exprès, j'ai acheté les couleurs papier dessin, couleurs mi-teinte vive. En fait, j'aurais acheté du blanc. Donc, si j'utilise toute cette pochette et que, par exemple, j'ai plus de feuilles blanches, et ben, je demanderai à ma sœur de me partager. Et comme ça, pour la cinquième, on aura chacun le paquet. Donc, voilà, donc 160 grammes. Et c'est tout pour l'art plastique. Voilà. Bah aussi, il y a le crayon à papier numéro 2, mais je pense que c'est la même chose qu'un crayon HB. Après, pour la SVT, ils ont demandé du vert en cahier, hein, toujours. Mais toujours dans les grands carreaux, là, par contre.
Après, pour la physique, ils ont demandé un bleu vu que j'ai déjà pris du bleu foncé. Pour l'histoire géo, du coup, j'ai pris du bleu clair pour la physique. Après, pour la technologie, il fallait un classeur, donc un classeur rigide. Donc dedans, il y a un lot de 12 intercalaires de la marque Elba. Il y a des feuilles à petits carreaux, des feuilles blanches perforées et 20 pochettes plastifiées. Voilà un petit peu comment il est. Donc il est rigide, hein. Donc je tiens à vous informer que tous mes classeurs sont bleus parce que, comme vous l'avez remarqué, bleu c'est ma couleur préférée. Après, l'éducation, enfin la musique, quoi. Donc il fallait un porte-vue 40 vues, moi j'ai pris 60 vues. Donc comme vous voyez, il est très abîmé, c'est mon porte-vue qui date du CP. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du scotch, qu'il est un peu défoncé. Il a fait un an de CP et un an pour le chant, parce que oui, j'ai fait du chant. Pour ceux qui devraient le savoir. Alors, après on va passer à tout ce qui est organisation, parce que oui, j'ai une organisation. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon organisation, et dans une vidéo, je vous montrerai comment ça se passe, mon organisation. Alors déjà, pour mon organisation, je remercie ma maman. Ma maman, elle m'a acheté des stylos. Donc, elle m'a acheté des stylos Papermate. Là, je la remercie, hein. Donc, c'est point comme ça. Donc, elle a acheté à Auchan. C'était ma petite récompense pour avoir rangé ma chambre. Si vous voulez une vidéo room tour de ma chambre et de la chambre de ma soeur, mettez plus de 5 pouces bleus dans les commentaires. Mettez plus que 5 pouces bleus et mettez en commentaire je veux un room tour, enfin je veux les room tours des chambres. Voilà. Et aussi elle m'a acheté des stylos gel, donc de la marque Auchan. J'ai jamais testé ces stylos là. Donc voilà, donc ça va être les stylos au lieu d'utiliser les stylos de l'école. Bah j'utilise ces stylos. Après aujourd'hui j'ai acheté un classeur Oxford. Vous voyez ma lumière et voilà. Donc c'est un classeur Oxford, donc il est plutôt grand par rapport au classeur que je vois dans les vidéos. Donc j'ai pris un large. J'ai pas vu combien il a coûté. Donc c'est ce avec deux anneaux, bien évidemment bleu. Et aussi, j'ai acheté les fiches Bristol de chez Oxford aussi. Donc, j'ai pris les couleurs. Donc, dedans, je vous dirai les matières que je vais mettre. Donc, il y aura 4 matières. Et donc voilà, il y a toutes ces couleurs-là. Et pour l'année prochaine, j'aurai besoin du blanc en plus pour... en fait, l'année prochaine, en 5e, je ferai espagnol. Voilà, je ferai espagnol. Du coup, bah voilà. Donc voilà, alors c'est les plus petites. Donc j'ai pas trouvé les couleurs assorties comme ça. En 210 x 297. Là j'ai pris, allez, j'ai pris 125 x 200. Donc c'est un peu petit. Parce que quand je vois dans le classeur, c'est vraiment par rapport à la taille du classeur. C'est petit, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, si il me reste plus de place et que j'ai encore des choses à écrire, et ben en fait, j'écrirai au recto verso. Même ma maman elle me l'a dit que je devrais écrire au recto verso. Alors, petite astuce, hein, tout est expliqué comment on fait, comment. Donc, en fait, on enlève tous les petits scratchs, là, les petits trucs pour l'ouvrir sur les côtés. Après, on ouvre. On enlève le paquet, on enlève le truc rouge là, le petit papier, le papier film, le papier un peu plastique. Et après on enlève le truc rouge là, la petite tire, enfin vous verrez. Hein, et après en fait vous laissez, donc là en fait là il y a toujours, après on enlève, après on met et après on met comme ça. Et après, ça vous fait un petit distributeur. Donc ça, c'est pratique. Par exemple, quand je veux prendre une feuille Bristol, bah, au lieu de galérer à le tenir, bah, là, juste à prendre bleu, jaune, rose ou vert. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ça me ferait vraiment plaisir.
Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est en bas, c'est rouge, c'est gratuit, ça me fera aussi vraiment plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Ciao!